Chers frères presbytériens, bonjour. Qu'en est-il de la louange et de l'adoration? Quelle différence y a-t-il entre ces deux concepts? Tout d'abord, nous commencerons par la louange. Par définition, retenons que la louange est le fait de rendre un hommage à quelqu'un ou à quelque chose, qu'il soit un humain ou une divinité. La louange se fait de diverses manières. Elle peut se faire par des chants, elle peut se faire par des offrandes ou encore par des danses. Le mot louange s'associe généralement à un style de musique et ou de prière qui décrit des chants utilisés pour louer Dieu. La louange met l'accent sur la relation d'amour et de proximité entre Dieu et l'homme. À cet effet, lors des réunions, si le message est pour les hommes, la louange est pour Dieu. La louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. C'est adorer Dieu en toute vérité. Quant à l'adoration, nous pouvons l'expliquer tel que c'est un hommage rituel rendu à la divinité. C'est se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner son respect. En effet, c'est une dévotion, c'est rendre culte ou encore c'est une vénération en quelque sorte. Elle s'explique par l'intention qu'a une personne à gagner les faveurs en adoptant une attitude d'extrême humilité. Ici, dans le cadre de l'adoration, l'adorateur est comme le vaincu devant son vainqueur qui est Dieu. Il est donc à souligner que l'adoration est faite uniquement à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. À ce titre, remarquons que la différence ou la distinction entre la louange et l'adoration est que l'adoration est forcément adressée à une divinité et la louange peut être adressée à quelque chose, à un humain ou à une divinité. Voilà en quelques mots, de façon très rapide, ce que nous pouvons apporter comme réponse aux questions que nos frères nous ont posées. Merci et votre confiance nous honore à Parlons-en. Que Dieu vous bénisse. Mes soucis, mes problèmes, c'est toi Dieu pour toujours. Mon désir éternel, c'est toi.